1981, film qui remporte la Palme d'Or, le jury a longuement délibéré, reprise de l'école par ma femme et moi-même. Monsieur et Madame Delard, anciens réalisateurs, prennent une retraite bien méritée et nous cèdent un établissement avec une excellente réputation et 35 internes, ce qui n'était pas négligeable. Jusqu'à ce jour, nous n'avons cessé de développer l'école et aujourd'hui, la version 97, c'est une vingtaine d'employés, 55 internes, un bon nombre d'externes, des classes supplémentaires et préscolaires, un nouveau chalet qui abrite les aînés, de très longues journées de travail, des nuits parfois agitées, mais aussi beaucoup de bonheur et de satisfaction, bien que la relève soit déjà très présente. Bonjour, monsieur Benjamin, le futur directeur. Je vous souhaite bon courage. Comme vous le voyez, il nous reste encore quelques années d'activité. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour remercier tout le personnel qui s'est particulièrement investi, ne ménageant pas son temps et sa peine, ainsi que tous les parents qui, de près ou de loin, nous ont donné un coup de main très appréciable. Un merci tout particulier à ma collaboratrice préférée, ma femme, sans qui rien ne serait possible dans la maison, ou presque. Voici un dernier message à l'attention des parents. Après le spectacle, les enfants resteront sur scène pendant 40 secondes environ pour permettre aux caméramans de les filmer individuellement et de faire des gros plans. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi et vous attendons tous après le spectacle pour le verre de l'amitié. Vous pourrez également commander auprès de M. Lutin, dès la première semaine de juin, une copie de la cassette de la fête qui sera mise en vente à l'école Lagarenne. Dear parents, dear children, ladies and gentlemen, we are gathered here this Friday, the 16th of May, 1997, to celebrate two occasions. The first is the presentation of the children's annual end of year concert. The second is a celebration of Lagarenne's 50th anniversary. Who knows what the future holds for the establishment that formed its humble beginnings in 1820 as a farmstead. In those days, it sheltered farm animals on the ground floor and three families on the first. It wasn't until after the Second World War, in 1947, that it flourished into what became known as the Home d'Enfants, and so the first of many stages in its evolution. In this post-war era, the use of antibiotics was still not very widespread. Doctors willingly prescribed a long convalescence in the mountain after a long or difficult illness. A convalescence that often lasted 1 or 2 years. Two young nurses decided to offer Lagarenne as a kind of boarding convalescent home for children. As you can imagine, there was no shortage of clientele, and Lagarenne had an impressive waiting list of youngsters waiting for the chance to be granted admission. In 1966, Mr. and Mrs. Delard, a dynamic French couple who had themselves previously been boarder at Lagarenne, took over the establishment and injected their dynamism in various areas of the school. They immediately set about expanding the building and initiating many changes in Lagarenne. They introduced an English section which proved to be a great success.
The main objective of Lagavulin shifted from siesta were replaced by sporting activities. Lagavulin gradually became more and more international, with the largest proportion of the clientele being Middle Eastern, Iranian, and South American. In 1981, Mr. and Mrs. Delard took a well-earned retirement and passed on to us a school with an excellent reputation and 35 boarders, an admirable achievement by any standard. Since 1981, my wife and I have tried to expand and develop the school. The version of Lagavulin which exists today consists of nearly 20 employees, 55 boarders, two English sections, two French sections, a special English section, and two nursery classes, and of course, some external children. A full day schooling is followed by an afternoon filled with sporting activity, which is in turn followed by lively evenings. On top of this, Lagavulin is able to boast a new chalet which houses the older children, a new sport ground and play area. Also, the next director is already present, my son Benjamin of Chelsea. Hello. As you can see, there are still a few years left to us to carry on our work. I would like at this point to take the time to thank the members of staff who have freely given of their time and effort, and to also thank my favorite helper, my wife, without whom the household would fall apart. I would like to advise all parents that at the end of each of the class's performance, the children will remain on stage for about 30 seconds to give the video camera time to film each child individually. I would like to finish by wishing all a wonderful afternoon and to invite you all to join us for some refreshment immediately after the show, where you will also be able to order a copy of the video of the show from the kitchen Patrice Newton. Copies of the video will be on sale beginning June. I wish you a nice time and now place to the show. J'ai un peu d'être comme ça, j'ai plus l'habitude d'être en jeans et avec le sweatshirt Lagavulin. Mais bon, on s'habitue vite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans la grande salle de Villars afin d'assister à notre représentation en honneur des 50 ans de Lagavulin. Dani et Gaspana, Strazitie d'Ablo Pajalabat. Signore e signori, benvenuti a Villars per il nostro spettacolo 50 anni di Lagavulin. Signore e signore, benvenuti a Villars per il spettacolo dei 50 anni di Lagavulin. Ladies and gentlemen, welcome for our Lagavulin 50 year show. Vous voyez, il n'y a pas qu'à la télévision qui savent parler plusieurs langues. Moi aussi j'y arrive. Ce sont les seuls mots que j'ai étudiés en russe, excusez-moi, j'ai pu juste dire ça. Alors, on va commencer le spectacle avec le premier long métrage de Walt Disney, le tout premier dessin animé, je crois que vous le connaissez tous. Il s'agit, un jour le bon prince viendra, il s'agit de... Comment il s'agit de... De... Oui, vous êtes fatigué ou quoi? De qui? Ah, voilà. De Blanche-Neige. De Snow White and the Seven Dwarfs. Oh! Patrice, Patrice! Oui? Qui êtes-vous?
Tu ne me reconnais pas? La sorcière de Blanche-Neige. Dis-moi qui est la plus belle, Patrice. Mais tu dois le savoir, tu sais bien que c'est Blanche-Neige la plus belle. Es-tu d'accord avec Patrice? Et je crois que Blanche-Neige est impatiente derrière le rideau. Alors, accompagne-moi, on va la chercher. Viens. J'arrive. And now, ladies and gentlemen, the nursery class with Snow White and the Seven Dwarfs. And now, ladies and gentlemen, the big English section
in Jungle. Les aléas du direct, je reviens vous embêter, ça commence. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous remercier déjà tous à l'avance d'être venus de si loin. Je sais qu'il y en a qui sont venus de Russie, des États-Unis, d'Angleterre, d'un peu partout dans le monde. Je les remercie déjà à l'avance. Et puis, j'aimerais encore signaler une chose. À la fin du spectacle, je vous le signale déjà maintenant, je vous le rappellerai tout à l'heure, vous êtes tous conviés au verre de l'amitié, comme M. Méan vous l'a signalé juste avant. Les parents, vous aurez votre verre qui sera servi dans la tente qui a été conçue pour vous, et les enfants resteront tous ici avec nous. Donc vous n'aurez pas à vous occuper des enfants, vous pourrez prendre votre verre de vin tranquillement, on s'occupera de vos enfants. Voilà, je pense que maintenant ça doit être prêt. Juste un tout petit moment. Voilà. Encore un tout petit moment. Thank you.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a madman cop and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of moving around. Oh, come in, give me, I wanna be like you. Now don't try to hit me, handcuffed. I made a deal with you. What I desire is man's great fire to make my dream come true. Now give me the secret, man. Come on, include me, what you do. Give me the power of man's great power so I can be like you.
Et on ne doit surtout pas oublier d'applaudir les deux institutrices. Il s'agit de Tony et Jo qui ont préparé tout le spectacle. Alors, on vous laisse retourner dans votre jungle. Faites-y bien les fous. Profitez-en bien, d'accord? Ciao! Do, 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 dia, do, do. Non, je chante pas, hein. C'est juste la première note. Maintenant, c'est pas un film de Walt Disney, mais je suis sûr que Walt Disney aurait été ravi de le faire, ce film. Je suis sûr qu'en dessin animé, ça donnerait très très bien. La mélodie du bonheur, est-ce que vous connaissez? Ce film se passe en Autriche pendant la... Quelle guerre mondiale, je ne sais plus. La première ou deuxième guerre mondiale? Deuxième, madame, vous avez gagné un voyage à Bruxelles. Alors, donc pendant la deuxième guerre mondiale en Autriche, notre chère et tendre Julia Andrews devient une nanny, on en a une aussi, nous, des nannies ici, une nanny à la tête d'une famille, je crois, de 7 enfants. Et vous allez voir que cette nanny, elle a de la pêche. Vous allez le voir aujourd'hui, on va juste regarder si nos enfants sont prêts derrière. Non, ils ne sont pas prêts. Alors, j'aimerais juste en profiter pour vous lire un petit message de la part de monsieur et madame Delanne. Ils ne sont pas présents aujourd'hui, ils s'en sont excusés et je vais vous lire la lettre qu'ils nous ont envoyée. Chers amis, chers anciens de la Garenne, monsieur et madame Méant, ma femme et moi-même, nous ne voulions pas laisser passer cet anniversaire et cette belle fête sans vous adresser ce message d'amitié. Il ne nous est malheureusement pas possible de nous joindre à vous aujourd'hui pour nous réjouir de ces 50 années d'existence de la Garenne auxquelles nous avons contribué pendant 15 ans. Puissions-nous encore, sous l'impulsion de madame et de monsieur Méant, voir la Garenne vibrer de toutes ses forces pendant de longues années. Et félicitations pour cette splendide réussite et cette belle fête. Amitié à tous. C'était le petit message que monsieur et madame Delatte voulait vous adresser à vous.
et tout particulièrement à monsieur et madame Mayer. Donc, je vais tourner derrière pour voir s'ils sont prêts. Non, on dit. Alors ça, c'est la joie du présentateur parce que vous essayez toujours d'improviser au moment où il y a des blancs comme ça. Alors, on m'avait dit l'année passée, je ne sais pas si vous rappelez, que je vais essayer de trouver des blagues. Il vaut mieux pas parce que j'en connais pas beaucoup. Et les seules blagues que je connais, je ne peux pas vous les raconter, surtout pas cette heure-ci. Une chanson, seulement si vous m'aidez. Vous êtes d'accord? Comment non? Qui a dit non? Ceux qui disent non vont venir devant avec moi, ils vont chanter avec moi. Mais je pense que je n'aurai pas besoin de chanter parce que je crois qu'ils sont prêts là derrière. Alors attention, une petite autrichienne. Hop. Je suis dans la classe de CP. On va vous présenter la mélodie du bonheur. Applaudissements à toi, c'est grand. Voilà, bravo. Alors, la mélodie du bonheur, interprétée par la classe de CP. On applaudit Manuela de l'Institut et Olivia qui les a accompagnés au piano. Et Olivia, je vais vous demander de rester là, les enfants de rester là aussi.
Et je suis sûr que dans le public, vous connaissez cette chanson. On va faire ma chanson à nouveau, mais avec vous et les enfants. Alors on y va au piano. On est prêts? Et je veux tous vous entendre, les enfants, vos parents, pour chanter avec vous. Attention. Go. Alors maintenant, devant vos yeux ébahis, va venir une classe que j'affectionne tout particulièrement, puisque c'est la mienne. J'aime tous les enfants, évidemment, mais on est toujours un peu plus attaché aux enfants de sa classe. Et je peux vous dire que de tous les enfants qui passent aujourd'hui, j'en ai déjà eu beaucoup dans ma classe. Alors, j'attends les élèves de ma classe préscolaire. Je vais aller chercher. Ne bougez pas. Alors les enfants, qu'est-ce que vous allez chanter aujourd'hui? Une chanson pour qui? Pour maman. Pour maman. Alors musique derrière. Un petit cadeau pour chacune des mamans. Alors, venez rejoindre votre enfant, il a un petit cadeau à vous donner. Toutes les mamans, venez chercher votre petit cadeau.
maman Barbère. Matériel. Ah voilà, c'est son papa. On peut encore les applaudir bien fort. Petit ami. Bien, madame, on peut y aller. Bravo. Et le spectacle continue. Maintenant, avec cette chanson, je sais même plus où on est. Voilà. Ah voilà. Maintenant, on va partir en 1964. Là, Walt Disney a décidé de changer un peu. Il a décidé de faire une comédie musicale. Il s'agit, je crois, vous connaissez tous, de Mary Poppins. Et si je ne m'abuse, c'est à nouveau Julie Andrews qui a le premier rôle. Et Mary Poppins, c'est à nouveau une nounou extraordinaire, comme on en avait en avoir. Et elle a inventé une chanson. Est-ce que vous connaissez tous Supercalifragilistique? Est-ce qu'il est délicieux? Vous savez dire ça? Moi, je me suis entraîné 2-3 heures pour y arriver. Alors maintenant, c'est à votre tour. À 3, vous faites Supercalifragilistique-espinélicieux. On est prêts? 1, 2, 3. Supercalifragilisticexpialidocious. La première rangée, impeccable. Impeccable. Ça, c'est l'effet sonore. Il y a un problème derrière. Alors, je laisse le soin à Laetitia de continuer. Si je vous dis, moi, danse, cheminée, parapluie et hérisson, vous me répondez, la réponse est bien sûr par la carte C1 et C2. On y va. Un peu d'enfant, un peu d'enfant, c'est pas con. Aliments, garde à vous. Armes, épaules, hanches, à droite, droite. En avant. Dans le rôle de Mary Poppins, c'est bien.
On heureux le petit garçon Danil, la petite fille Laetitia, on heureux le peuple Victor, et ses amis à ma bonne heure, Nicolas, Jessica, Olivier, Marcos, Barbane, Guy, Nicolas, Pépignon, Delphine, Sergio. Dans le rôle du professeur Alain. Alors, comme vous le savez tous, à la Garenne, les enfants peuvent suivre différents cours. Évidemment, ils ont une classe de français ou anglais, mais à côté de ça, ils peuvent avoir des leçons de piano avec un professeur privé, Madame Hyspérian Christine. Alors, on n'a pas pu faire passer tout le monde sur scène. On a choisi une petite sélection d'enfants qui vont vous interpréter quelques morceaux piano. À côté de cela, cette année, nous avons introduit une nouvelle section, la section musicale, qui est dirigée par Olga. Chaque semaine, les enfants ont environ 1 heure à 2 heures d'éducation à la musique. Parce que la musique a sa place dans toute école. Alors, je laisse la place aux futurs grands musiciens qui sont derrière le rideau et qui ont autant de trac que moi. Alors j'attends les artistes pour le piano, Denise, Victor, alors je reviens, c'est direct, me voilà. Alors, est-ce que je vais devoir chanter? Non, je vais réussir à ne pas chanter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Comme ça de combler les trous. Mais en tout cas, à nouveau, je vous le dis, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette grande salle, ici à Villa. Si vous voulez, je peux vous le dire dans toutes les langues à nouveau, mais je vais laisser tomber cela parce que je pense qu'ils sont prêts. Mais c'est bon. Bonjour, bonjour Denise. Tu veux qu'on joue au piano? Tu veux jouer quoi? Ok. Bravo.
Aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dehors, il fait superbe. On a un grand soleil, il fait beau, il fait chaud. Alors maintenant, on va baisser un peu la température, parce qu'on va vous parler de la pluie. Est-ce que vous connaissez tous Bambi? Oui. Dans Bambi, il y a la musique de la pluie. Et cette musique n'a pas été créée pour faire venir la pluie, mais pour la chasser, pour faire venir le soleil. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Depuis hier soir, je chante pour qu'il fasse beau aujourd'hui. Alors, le groupe La Garenne, présenté par Olga, le professeur d'éducation musicale, vous présente La Pluie.
diamant. Ta mélodie est un enchantement, enchantement, enchantement. Clap, 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 dans le ciel se voile ton guerre d'un bleu dans le cœur. Clap, 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 gibouillet d'étoile, plein d'arc-en-ciel de couleur du bonheur. Comme elle est jolie ta musique, clap, 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 ta mélodie, ta joie, ta joie. Encore les applaudissements bien fort. J'aimerais juste, si vous pouvez enlever leur chapeau, qu'on les reconnaisse bien. Enlevez juste votre chapeau. Voilà, comme ça on vous voit bien maintenant. Et j'aimerais qu'on applaudisse également Olga, qui vous a préparé ce numéro. Damien, mais j'aimerais ici remercier une personne qui a aidé Damien dans l'élaboration de ce numéro. Il s'agit de Stéphanie Méhan, on peut déjà l'applaudir par avance.
car elle a aidé Damien. Vous verrez, la danse, elle est extraordinaire. Et c'est Stéphanie qui est à la base de tout ça. Je vous la représenterai tout à l'heure. Alors, place au CM1, CM2 avec The Little Mermaid. C'est juste? Voilà, très bien. Alors, je reviens devant. Vous allez voir beaucoup aujourd'hui. Hein. Il s'en va près, Daniel. Ah oui, oui. Je ne vais pas devoir vous chanter une chanson, j'ai encore un petit message à vous donner. Je reviens tout de suite. Voilà. La petite chose que je devais aller vous chercher, il s'agit, regardez-moi cela. Patrice, tu trouves pas que c'est un peu pollué ici sur la Terre, mais oui. Enfin... Oui, t'as raison. Alors, allons voir ce qui se passe dans la classe de Damien, CM1, CM2, sous l'océan. Sous l'océan? Vous habitez sous l'océan? Bah oui, bien sûr. Ils ont ouvert une école Magalène sous l'océan? Mais non. Ah, c'est vous qui êtes descendu, c'est ça? Sous l'océan? Ah oui. Alors, on y va. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan,
Damien, notre instituteur CM1-CM2. Alors, dans le rôle du président, Grégory. Dans le rôle du prince, Frédéric. Une des sirènes, la petite sirène, Anna. Le crabe, Samantha. Poseidon, Christian. L'hippocampe, pas de mal à la voix, à Natacha. On va laisser ça. Thank you.
s'est trouvé. Alors voilà les plus jeunes de la Garrette. Macha, Alexandre, Amicia, Romain, Benjamin, Macha, Armel, Aska. Macha, Zoé, Armel allemand, Tanguy, Victoria, Eva, Tess, Arnaud, et Sarah. Et puis Paola. Et moi-même. Très bien, super. Alors, juste un petit instant. On va quand même faire honneur au costume. Avec la cravate. Voilà, je suis toujours célibataire. Hein. Alors maintenant, on va passer à un spectacle qui n'est pas de Walt Disney, mais qui pourrait l'être de Walt Disney. Tant les musiques sont belles, tant les chansons sont superbes. C'est Olga, avec sa classe, qui vous a préparé ce spectacle, tout en couleur. Il nous vient tout droit du fond de l'Espagne. Il s'agit de Carmen. Je suis pas encore Carmen. C'est pas moi Carmen. Malheureusement, ils sont pas encore maquillés, ils sont pas encore coupés d'alien. Donc. Oui, voilà, très bien, très bonne idée. Il y a le photographe du studio Patrick qui est en train de prendre des photos. Demain matin, si vous voulez, vous allez à Villa, je ne sais pas si vous, ça se trouve juste à côté de l'office du tourisme, studio Patrick, il y aura des panneaux à l'extérieur. Là, vous aurez les photos affichées et vous pourrez les choisir. Vous entrez, monsieur se fera un plaisir de vous les donner. You see, there is a nice man here who's taking some pictures for all the children. If you want to buy these pictures, you can go tomorrow to Studio Patrick, next to the Office de Tourisme. And you can buy them at this place. Alors maintenant, je vais aller voir si Carmen est prête. Rome. Elles arrivent.
Buenos dias. Hola. Si je, question piège. Si je vous dis Carmen, est-ce que c'est Michael Jackson visé au Walt Disney? Et alors, c'est qui? Bien sûr, c'est business. C'est pas du tout Walt Disney. Mais c'est notre nouvelle idée pour le prochain Walt Disney de 2000 ans. Nous avons l'air tout à fait hispanique, n'est-ce pas? Alors, on y va. Carmen présentée par La Garenne, section musicale. On est désolé parce que normalement c'était le petit Maclin qui devait venir. Alors c'est moi qui vous fais.
On les applaudit bien fort. Nos danseurs et nos danseuses espagnoles avec à leur tête Olga. On veut juste ajouter un petit mot. On est vraiment désolé pour l'orchestre, mais en bas, il faut dire, l'orchestre spécifique s'occupe de déguisement et changement de costume, c'est pas évident, c'est pour ça qu'on est désolé que l'orchestre n'est pas venu. Il y a une petite confusion dans le changement des costumes. Alors maintenant, chers amis, vous allez trembler, car Cruella de Vil est dans la salle. Cruella, vous la connaissez, la gentille sorcière des 101 Dalmatiens, qui veut les couper en morceaux pour en faire un beau manteau. Alors ils sont là derrière. Qui es-tu? C'est un dalmatien. Et qu'est-ce que tu viens faire? Ben, il faut qu'on y aille. Ok, je viens avec toi. Viens. Avec Masha, Sarah, Masha,
Zoé Anguela, Tanguy, Arbel, Aricia, Aska et Benjamin. Montrez-leur votre langue, montrez comment vous les faire. Allez-y, faites-le, faites des petits chiens. Mettez-vous à quatre pattes, et montrez-moi votre langue. Voilà, on peut fermer la vidéo. Alors, allez. Maintenant, nous allons passer à la section English Special Section avec comme enseignant Barry Fitzgerald. Ce sont les enfants qui arrivent en général au début de l'année de tous les pays du monde. Ils ne connaissent pas un mot d'anglais, ils repartent au mois de juin. Ils connaissent l'anglais parfaitement sur le bout des doigts. C'est grâce à leur enseignant, il s'agit de Barry Fitzgerald. Special English Section, The Auditions. Moment de patience. Ladies and gentlemen, the English Special Section with les auditions. Thank you.
short second show of France. Maintenant, le deuxième spectacle, toujours par la même classe, mais les élèves un peu plus âgés. On vient saluer. J'aimerais avoir tous les plus jeunes, Damien, vous m'appelez les plus jeunes pour qu'ils viennent saluer aussi la classe de Barry. Et puis on applaudit bien fort Barry. Et j'aimerais également associer à cette classe Rizina qui est dans la salle. J'aimerais qu'elle vienne sur scène parce qu'elle enseigne également dans cette classe. There is two teachers for this class, Barry and Miss Dina. Voilà, encore un grand bravo, on attend juste les plus jeunes. Voilà, on peut fermer le rideau. Mesdames, Messieurs, le temps passe très très vite.
on arrive déjà à notre dernier numéro. Pour ce dernier numéro, il va falloir un peu plus de temps parce que les enfants nous allons s'installer. Vous allez avoir tous les enfants de la Garenne réunis sur scène. Vous avez dans votre programme, à la fin, les paroles d'une chanson. L'air est très facile. Est-ce que vous connaissez tous les Champs-Élysées de Joe Dassin? Pour les francophones, je pense que vous connaissez. Eh bien, cette chanson a été écrite sur l'air des Champs-Élysées. Donc, si vous voulez chanter, allez-y, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus. Nous espérons, mes collègues, moi-même et tous ceux qui ont aidé à préparer ce spectacle, que vous avez passé un très bon moment dans notre compagnie. J'espère vous revoir dans au moins 50 ans pour voir le centième anniversaire de l'école La Garenne. Et maintenant, je vais me taire, je vais passer derrière quand je vais chanter avec eux. Alors, à tout de suite. Bon. Quoi bon? Bon ben voilà. Quoi voilà? Ben c'est fini le spectacle. Ah bon? Ben oui, c'est fini. Elle ne l'est pas. C'est pas quoi? 50 ans. Il n'a pas cher? Ne l'a pas entendu. Mais non, pas moi, la Garenne. Ah oui, la Garenne. C'est vrai. Elle fait plus jeune. Oui, mais c'est à cause des enfants si elle fait plus jeune. Oui, et aussi grâce à monsieur et madame Néant, qui sont un super directeur et une super directrice. Ah, ça c'est bien vrai. Merci à toi, et merci à la Garenne. Longue vie à la Garenne. Et, on n'oublie rien? Qu'avons-nous oublié? Je ne vois pas. Moi non plus. Mais si. Oh oui, bien sûr. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus nous voir et place à la musique pour terminer. Voilà, juste encore un petit moment de patience, le temps de mettre presque la centaine d'enfants en place. Ils sont en train de voler derrière. Oui, oui c'est bon, il y en a un qui accroche au plafond. Oui, c'est bon, ils sont presque tous là, encore 30 secondes. Oui, c'est bon. On a oublié une chose. Pour un anniversaire, il nous faut quoi? Des cadeaux. Des cadeaux, bien sûr, ça vous les aurez après. Un gâteau. À quoi? Un gâteau. Le gâteau là-bas. Regardez le gâteau, il arrive. Gracias.
Très bien. Alors maintenant, avant de terminer complètement notre spectacle pour les 50 ans de la Garenne, il y a d'abord une chose qu'il faut que je dise. Un grand merci de la part de tout le personnel, à tous les enfants, je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Ensuite, vous savez que pour encadrer ces enfants, il faut beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui reste caché, surtout le personnel, je vais dire, d'entretien, le cuisinier, tout ça, on ne les voit jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont venir se mettre devant. Alors j'appelle Fernando, j'appelle Alexis, je vous remercie aussi. Irène. Irène. Et le Margarita. Ensuite, tous les enseignants, Damien, Tony, Kira qui a eu, je vous le signale, deux adorables jumeaux. Je ne sais pas si elle est dans la salle, elle m'a dit qu'elle allait passer, je ne sais pas si elle est ici. Non? Donc Kira, on peut l'applaudir aussi parce qu'elle était là aussi. Jean, Alain, Manuela, Barbie, Paola, Isabelle, Olga, Elena, Dina. J'aimerais également Christophe, qui est responsable tous les soirs d'une équipe pour le salaire. Et on ne doit pas oublier non plus Christine, professeur de piano, Ginette, Jean-Luc. Stéphanie, Grégory, nous ont aidés cet après-midi, Greg, Nancy, Anthony, et puis, surtout, je vais me taire maintenant et je vais laisser la parole à monsieur et madame Méant. On les applaudit bien fort. I dedicate many thanks to all these nice actors who let us spend a very nice afternoon, and I hope you will enjoy a nice weekend with your family, and I thank you everybody being there. Thank you. Alors, mesdames, messieurs, maintenant, un apéritif vous attend là-bas sous la tente. Les enfants vont rester avec nous et vous êtes conviés à aller prendre le verre de l'amitié sous la tente. Merci beaucoup.